que vous pouvez. Les Camerounais, c'est ce qu'il faut. Hein. Les Camerounais, ils sont tout près de vous ici, là. Les Camerounais, c'est ce qu'il faut. Vous voyez les grands Camerounais, les Bamileke, qui sont des richards. Mais Bamileke, là, il ne va pas chercher l'argent à la banque. Hein. Il est dans les tontines. Ils font des tontines jusqu'à ils font tontines de milliards. Donc, je pense que ça, c'est une éducation qu'il faut avoir. Il faut changer l'esprit, là. Changer les mentalités. Changer les mentalités. Et que si vous faites ça, ça peut également être un moyen de vous en sortir. Que si on veut attendre les banques des Blancs, là, pour venir financer nos activités. J'ai beaucoup aimé l'intervention de Mme Simone Gbagbo, qui a pris la parole pour expliquer aux Ivoiriens comment devenir riche, comment augmenter son pouvoir financier à travers les tontines comme les Bamileke du Cameroun le font. Les amis, ce n'est pas la première fois que je vous parle des tontines sur cette chaîne, mais aujourd'hui je veux revenir davantage pour vous parler des tontines et vous parler de ce qui se passe avec les banques que nous avons régulièrement. Alors, j'aimerais premièrement vous faire comprendre l'importance d'avoir les finances, l'importance d'avoir la possibilité de toucher à une somme d'argent lorsque vous êtes un homme d'affaires ou une femme d'affaires. Je vais prendre le cas sur mon cas pour que vous puissiez bien comprendre. Moi, je fais les affaires depuis peut-être 5 ans aujourd'hui et à un moment donné, je me suis rendu compte dans mon activité que mon activité stagnait. Mon activité stagnait pas parce que je ne savais pas faire la communication, pas parce que les gens n'achetaient pas, pas parce que mes employés peut-être se comportaient mal, mais mon activité stagnait tout simplement parce que tout le temps j'arrivais en rupture de stock. D'accord? Donc, j'ai une marchandise, j'ai un produit qui passe très bien sur le marché. Cependant, ce produit tombe régulièrement en rupture de stock. Et lorsque ça tombe en rupture de stock, je dois attendre des semaines, je dois attendre des mois pour repasser une autre commande. Alors, ceci arrive pourquoi? Parce que je n'ai pas la liquidité pour passer des grands stocks, stocker ma marchandise, vendre ma marchandise et facilement anticiper. Donc, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis posé la question de savoir comment est-ce que je peux faire pour toucher de l'argent. Si à chaque fois, je prends un exemple pour que vous puissiez comprendre. Si par exemple, à chaque fois, j'ai besoin peut-être de 1000 euros pour passer une commande qui va durer 6 mois. C'est un exemple, je ne veux pas juste donner mes vrais chiffres. Donc, 1000 euros pour passer une commande qui va durer 6 mois. Cependant, ma trésorerie me permet uniquement de dégager une somme de 500 euros. Sauf que les 500 euros là, de mon marché consomme la marchandise de 500 euros en un mois. Vous voyez ça? En un mois. Mais ce n'est que la somme que j'ai. Ce n'est que ce que j'ai. Comment est-ce que je peux faire pour avoir 500 euros de plus? Ça, c'est la question. Et je vous assure que c'est la question que la plupart des hommes d'affaires, des femmes d'affaires qui réussissent dans leur activité se confrontent à un moment donné. D'où la problématique de la recherche du financement, la problématique de trouver des leviers de financement puissants pour faire décoller son activité. Et il y en a parmi vous, vous êtes dans l'immobilier. Il y a un besoin criâtre dans le secteur de l'immobilier. Il y a une demande forte dans le secteur de l'immobilier. Les gens sont prêts à acheter des maisons. Les gens sont prêts à louer des maisons. Sauf que vous, en tant qu'entrepreneur, vous n'avez pas les finances nécessaires pour lancer des chantiers. Vous n'avez pas les finances nécessaires pour mettre sur pied des projets qu'il faut. Vous avez besoin de ce financement quelque part. Comment vous allez faire? Alors, les riches Bamileke qui prospèrent, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Afrique, que ce soit dans d'autres pays, leur secret depuis la nuit des temps, c'est les tontines. Les amis, les tontines représentent un puissant levier pour lever des fonds importants. La dame vous dit dans la vidéo que les Bamileke font même les tontines du milliard. Les tontines du milliard, ça veut dire qu'un tour de tontine, tu prends le milliard. Et tu as un an pour rembourser ou bien tu as un an pour cotiser et à la fin tu prends ton milliard. Et sur ce milliard, quels sont les intérêts que tu payes? Ça, c'est la deuxième chose que je veux aborder avec vous. La dame nous a parlé des banques. Ce n'est pas facile. Pour ceux qui ont déjà eu à avoir affaire avec les banques, vous savez que ce n'est pas facile de traiter avec une banque jusqu'à ce qu'elle vous donne un certain financement.
J'ai une étudiante que j'accompagne dans le cadre de ses activités qui m'a fait part de cette petite histoire que je vais vous raconter ici. Alors, la dame faisait ses activités depuis 3 ans aujourd'hui. Les activités tournent bien. Elle a l'argent qui rentre, les gens achètent les produits. Sauf que, comme plusieurs parmi nous, et vous aussi qui m'écoutez, elle avait peur au départ d'enregistrer son entreprise et de se faire coller par les impôts et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, elle n'a pas enregistré l'entreprise et elle faisait les transactions un peu au noir, on va dire ça comme ça. Mais l'activité marche bien, l'activité est tellement rentable, elle a beaucoup investi dans cette activité, l'activité est en train de monter. Donc, elle a enregistré son entreprise et finalement, elle a ouvert son compte bancaire dans une banque de la place. Alors, à un moment donné, elle se bute au problème de financement et elle va rencontrer son gestionnaire de banque. Elle lui expose son problème. Elle montre toutes les preuves qu'elle a avec elle pour justifier que l'activité marche bien. Sauf que le banquier lui dit, « Madame, vous avez tout ceci, mais la banque ne connaît pas votre activité. » Et parce que la banque ne connaît pas votre activité, il est difficile pour nous de vous financer. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est quoi? C'est qu'on lui a dit que son activité concerne les particuliers et non les entreprises. C'est-à-dire quoi? Ça concerne les B2C, c'est du B2C, business to customer, et non les B2B, donc business to business. Et dans leur politique, il est difficile pour eux de financer ce genre d'activité. Pourquoi? Parce que le taux de risque est très élevé. Voilà, le taux de risque est très élevé. L'activité n'est pas assez stable pour eux. Et la dame était vraiment surprise parce qu'elle s'est dit, mon activité tourne. Les gens achètent, les gens en ont besoin. Je suis régulièrement en rupture de stock. Je peux vous prouver que je suis régulièrement en rupture de stock. Et ça encore, c'est un autre problème de prouver la rupture de stock. Parce que ce qu'elle considérait comme preuve, la banque ne considérait pas ça comme preuve pour dire qu'elle est en rupture de stock. Et c'était vraiment difficile. Et elle a discuté avec eux, elle leur a demandé, bon, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour être éligible à un prêt de votre banque? Ils lui ont donné des conditions, parmi lesquelles la régularité des transactions dans le compte bancaire, c'est-à-dire que ses clients doivent tout le temps venir payer dans le compte bancaire pour qu'on voit que l'activité est en train de tourner, ou alors son gestionnaire de caisse ou son comptable doit venir régulièrement, une fois par semaine, deux fois par semaine, voire même trois fois par semaine, faire des dépôts, des transactions dans la banque. Quand je dis transactions, ça dit quoi? Faire des dépôts ou alors faire des retraits pour qu'on sente que effectivement l'activité est en train de marcher. Et à ce niveau aussi, le gestionnaire lui a fait comprendre que avoir une grosse somme d'argent dans ton compte bancaire ne veut pas dire que ton activité marche. Ça veut dire quoi? Le fait que tu viennes faire de temps en temps des gros dépôts de 50 millions, de 23 millions, de 40 millions, ne veut pas dire que ton activité marche, qu'on doit faire confiance à ton activité. Nous voulons voir le rythme de transaction. Nous voulons voir la régularité dans les transactions. Nous voulons voir qui te paye même dans tes transactions, dans ton compte bancaire, afin de juger si ton activité est viable ou pas. Afin de juger à quel point nous pouvons te faire confiance et te donner une certaine somme d'argent, première des choses. Deuxième des choses, bien entendu, les garanties. Il faut apporter des garanties. Madame, si vous voulez avoir une certaine somme d'argent venant de la banque, vous devez être prête de présenter des garanties qui valent deux fois plus la somme que vous demandez à la banque. Et c'est là où l'acteur meurt souvent. Parce que la plupart de ceux qui vont chercher l'argent à la banque comme débutants n'ont pas nécessairement ces garanties. On va vous demander des garanties en termes d'immeubles, des titres fonciers, par exemple. Quand je dis immeuble, c'est immeuble, voilà. Mais précisément, des titres fonciers. Est-ce que vous avez un titre foncier à votre nom? Et pour ceux même qui ont déjà eu à acheter un terrain quelque part, les titres fonciers ne sortent pas d'un trait. Vous le savez, pour ceux qui ont déjà eu à faire cette transaction-là, le titre foncier ne sort pas juste comme ça. Des fois, ça te prend du temps. Et entre-temps, ton business est stocké. Entre-temps, ton business attend. Entre-temps, les clients attendent. Entre-temps, tes amis évoluent, tes concurrents évoluent, tes concurrents sont en train de grandir. Et tu attends. Alors, lorsqu'on considère tout ceci, les hommes Bamileke, les hommes, les Camerounais qui ont compris le pouvoir de la tontine, se sont dit, ils vont apprendre à développer ce qu'on appelle le communautarisme économique à l'africaine. En d'autres termes, le pouvoir des tontines. Savoir se mettre ensemble,
se faire confiance avec des fortes sommes d'argent, mettre cette somme ensemble et puis développer. Un autre point qui est très avantageux dans les tontines, c'est quoi? C'est les taux d'intérêt. Les banques aujourd'hui, au Cameroun, le cas du Cameroun, qui est celui que je maîtrise le plus, parce que ce sont les banques que je côtoie le plus dans le cadre de mon activité, les taux d'intérêt sont de, je vais vous lire, de 7,66% à des fois 8,67%. Ça, ce sont les banques comme Standard Chartered Bank et Afriland First Bank. Tu as des banques qui vont encore aller plus que ça, des fois même 9%, des fois même 10%. D'accord? Dépendamment aussi, de, bien entendu, des sommes d'argent que vous allez prendre et votre capacité aussi à négocier avec eux. Mais voilà les taux dans lesquels ils sont pour les banques. La tontine, c'est quel taux? Il faut savoir que nous avons plusieurs types de tontines. Il y a des tontines où on achète l'argent. Vous avez déjà entendu ça. Ça veut dire quoi? On fait ce qu'on appelle la mise à prix. Les gens vont acheter l'argent pour une somme peut-être de 10 millions. Vous allez acheter l'argent à, je ne sais pas, peut-être 500 000. Vous-même faites le calcul du pourcentage. Pour une somme de 200 millions, vous allez acheter peut-être à 1%, 2%, maximum 3%. Des fois même, vous avez des tontines où on vous donne gratuitement. Ça veut dire quoi? Vous finissez de cotiser des sommes d'argent de 20 millions. On te donne carrément l'argent. Tout ce que tu as payé, c'est quoi? C'est les frais d'entretien de la tontine, c'est les frais de nourriture que vous allez manger quand vous vous retrouvez une fois par mois pour festoyer. That's it! On ne te demande pas ton titre foncier. On ne te demande pas les preuves que l'activité est en train de marcher. On ne te demande pas toutes ces choses-là. Et on te donne cet argent rapidement. Et en un an, tu peux rembourser. En deux ans, tu peux rembourser. En fait, c'est beaucoup plus leste, c'est beaucoup plus léger. Alors, aujourd'hui, c'est comme ça que les gens réfléchissent dans le monde entier. Les Chinois ont compris. Les Chinois font les tontines. Au Canada, les gens ont compris. Ils font les tontines immobilières pour s'acheter les maisons. Allez voir comment les Africains se sont développés. Allez voir comment les Camerounais en particulier de Montréal ont mis sur pied les tontines immobilières. Ils ont chacun au moins une résidence principale à leur frais de tontine. Au moins. Quel que soit le travail que tu fais au Canada, quel que soit ce que tu es au Canada, au moins tu as ta résidence qui est la tienne. Au moins tu n'es pas en location. Et maintenant, si tu es ambitieux, maintenant si tu aimes, en fait, si tu aimes te développer dans la vie, tu vas chercher plus que ça. Les amis, soyez sages dans les affaires. Vous savez, je dis toujours, j'ai commencé à vous dire depuis un moment donné que pour avoir le million, il te faut trouver le bon business. Mais pour avoir le milliard, il te faut devenir une personne complètement différente. Le milliard, ce n'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'aura pas le milliard. Beaucoup de gens feront les business, mais ne toucheront jamais le milliard. Ne tourneront jamais dans le milliard. Ils seront toujours en deçà. Mais pour arriver au milliard, tu dois devenir une personne complètement différente. Ça passe par ton système de pensée. Ça passe par ta capacité à être une personne de confiance. Est-ce qu'on peut te faire confiance avec l'argent? Est-ce qu'on peut te faire confiance avec les décisions? Est-ce qu'on peut te faire confiance avec le bien d'autrui? C'est tout ça. Parce que dans la tontine, quand tu t'engages dans la tontine et que tu prends l'argent des gens, tu dois pouvoir rembourser. Tu dois pouvoir continuer à cotiser. On doit te faire confiance avec ça. Donc, voilà un levier puissant que les gens utilisent pour se développer. Moi-même, je ne vais pas vous cacher que c'est ce levier que j'utilise pour me développer. En deux ans, ce que j'ai réalisé en Afrique, c'est en grande partie parce que j'ai compris le pouvoir des tontines. Et j'ai vu mes prédécesseurs, j'ai vu les gens qui sont autour de moi, comment est-ce qu'ils ont réalisé des grandes choses. J'ai vu ma mère en tant que fonctionnaire de bas niveau, parce que vraiment, elle n'a pas le niveau de fonctionnaire A, catégorie A ou catégorie B, c'est moins que ça. Mais au cours de sa vie, j'ai vu ce qu'elle a réussi à réaliser au pouvoir des tontines. J'ai vu comment les femmes autour de moi, illettrés, sont quittés de zéro pour devenir héros au pouvoir des tontines. Les amis, les tontines, c'est puissant.
Mais sachez choisir les bonnes tontines. Sachez vous mettre avec les bonnes personnes et vous allez voir comment ça va complètement chambouler votre vie. Je vous remercie d'avoir pris la peine d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas aussi de me laisser un commentaire dans la description de la vidéo. Choisissez bien vos tontines, les amis. Pour ceux qui vont me demander, mais Matt, quand pourquoi tu ne mets pas sur pied une tontine et nous allons la faire ensemble, les amis, je n'ai pas encore cette force-là. Vous comprenez, je n'ai pas encore cette force-là. Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de vigilance et tout. Pour l'instant, je suis concentrée à d'autres choses. Mais peut-être ça viendra, peut-être ça viendra. J'ai des gens que j'ai formés qui se sont constitués ensemble, qui sont en train de mettre sur pied des tontines. Mais moi-même, je ne veux pas engager ma personnalité, engager mon honneur pour l'instant. C'est toujours une preuve de confiance quand vous me posez ce genre de questions. J'apprécie énormément, sauf que pour l'instant, ce n'est pas encore le moment. Merci encore, les amis, pour votre attention. Pour ceux qui veulent prendre un rendez-vous avec moi, c'est possible. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo. Merci et au revoir. We'll be right back.